Coucou, c'est Miu Miu. Pourquoi ne pas vous faire un petit plaisir exotique dans votre jardin? Avec des bananiers par exemple. Toute la période estivale est particulièrement propice pour le développement de ces plantes tout à fait particulières que je vous propose de découvrir maintenant. Voici le bananier du Japon. Ici, c'est un bébé. Nous l'avons planté simplement au printemps. C'est le plus rustique de tous. Sa souche peut résister jusqu'à moins 10 degrés. Ce bananier va se développer, mais ne comptez pas sur le fait d'obtenir des bananes. Si le bananier du Japon est le plus rustique parce qu'il vit dans des montagnes jusqu'à 3000 mètres d'altitude, celui qui est à côté de moi, le bananier d'Abyssinie, est beaucoup plus frileuse malheureusement. Il ne supportera pas moins de moins 5 degrés et nous allons donc être obligés de l'hiverner dans la véranda. De quoi peut donc avoir besoin un bananier pour nous fournir une croissance aussi spectaculaire? Et bien au moment de la plantation, nous allons mettre pas mal de matière organique, donc du terreau ou du compost bien décomposé. Et si l'été se poursuit de manière beaucoup plus sèche, eh bien il faudra l'arroser tous les soirs à raison de 10 litres par plante. Il est bien évident que des plantes aussi puissantes, aussi rapides de croissance que sont les bananiers, ont besoin d'être bien nourries. Après avoir apporté l'engrais au moment de la plantation, début du printemps, eh bien, dans le courant de l'été, lorsqu'il ne fait pas trop chaud, apporter un engrais spécifique pour les végétaux qui se développent en terre. Nous allons le distribuer à la dose préconisée, c'est-à-dire 20 g par plante. 20 g, c'est tout simplement 2 cuillères à soupe. Donc une cuillère à soupe comme ça, et une autre cuillère à soupe bien rase, et ça suffit pour une plante. Et après la fertilisation, n'oubliez surtout pas de bien arroser votre bananier. Et un dernier conseil pratique pour terminer, attention aux limaces, elles adorent boulotter les feuilles tendres des jeunes bananiers.